Pierre dans ce métier, Wachier. La compétition, elle est toute relative et les autres sont très forts. Donc, même s'ils vont dans le même concept que nous avons utilisé l'année dernière, à la fin, ils vont trouver des solutions meilleures que les nôtres. Donc, il faut absolument qu'on avance, qu'on développe la voiture sur de nouvelles bases et avec beaucoup plus de potentiel. Donc c'est pour ça qu'on a pris des risques. Et sur 2 ans, il y a moyen de rattraper le risque. C'est pour ça qu'on a pris cette année. Helmut Marko, qui n'est pas très loin, avait le sourire au soir de ses premiers tests, hein, en disant... Mange bien la cantine, Helmut, très, très d'ailleurs. Que vous ont dit les pilotes, que vous ont dit les autres ingénieurs? Ça, c'est la cantine Red Bull en même temps. Après, Helmut est très content de ce qu'on fait, c'est bien, j'en suis content. Mais vous êtes content quand Helmut est content? Ah oui, bah ouais, c'est mieux que quand il n'est pas content. L'avance de la Red Bull sur la Mercedes, entre 6 dixièmes et 1 seconde. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on connaît très bien soi-même pendant le test, qu'on sait exactement quel niveau de... d'essence on met dans la voiture, quel niveau de performance on a sur le moteur, tous ces aspects-là, on les connaît. Les autres, on ne les connaît pas. Ah oui, les autres, on ne les connaît pas. C'est ça. C'est vrai qu'ils ont pris un risque.